Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Du coup aujourd'hui on va parler de Formule 1, on va parler de ce qui s'est passé notamment en Australie avec le coronavirus, pour vous éclaircir un petit peu ce qui s'est passé, surtout pour avoir un peu les tenants et les aboutissants, même si vous avez déjà dû regarder quelques contenus par rapport à ça. Il va y avoir d'autres vidéos cette semaine, notamment sur le futur calendrier 2020, ce qui va donner et ce genre de choses. Plus d'autres petites vidéos, vous inquiétez pas. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais j'ai quand même streamé la semaine dernière, deux fois je crois, 4 heures sur iRacing, et on a fait du Motorsport Manager. Bon, pour les streams, je vous avoue que malheureusement j'ai pas le simu ici à la maison parce qu'on est confiné, donc moi j'essaie de pas sortir et de pas aller au studio pour pouvoir tourner des vidéos, donc je le fais depuis chez moi. Donc j'ai pas de simulateur, donc il y aura probablement pas de iRacing pour le moment. On va voir comment on s'organise, évidemment avec le confinement on peut trouver des solutions et on va essayer d'en trouver. Mais derrière il y aura peut-être, voire probablement des streams sur Twitch. Et non pas sur YouTube parce que j'ai pas envie que ça foute un peu le bordel de partout sur la chaîne YouTube. Donc je vous mets en description le lien de ma chaîne Twitch. Et puis je vous tiendrai au courant sur Twitter et sur Instagram quand il y aura des streams ou ce genre de choses. Voilà, on verra en fonction de ce qui se passe. Mais pour l'instant, on va revenir sur les vidéos. Bon alors du coup, petit retour sur ce qui s'est passé en Australie. Et notamment à cause du coronavirus qui est présent dans le monde, on va dire, depuis maintenant décembre, je crois. Et qui s'est particulièrement accéléré ces dernières semaines en Europe, surtout. Voilà, la vague est arrivée chez nous et maintenant, il faut y faire face. Donc pour cela, restez chez vous, évidemment. Plus on reste chez nous, plus on aura de chance de pouvoir ressortir rapidement et de pouvoir reprendre le cours de nos vies normalement, on va dire. Donc restez chez vous, encore une fois. J'aurai la possibilité, moi, de pouvoir aller tourner des vidéos sur iRacing, etc. Légalement, je pourrais le faire. Mais je préfère pas le faire parce que on va rester confiné. Du coup, comment s'est passé ce début de saison inédit au final, même si il n'y a pas vraiment eu de début de saison. Il faut qu'on en parle. Comment ça s'est passé en Australie? Il faut savoir que déjà les voitures, les équipes, le matériel pour pouvoir tenir un Grand Prix, ça part quand même quelques semaines, voire mois à l'avance, parce que l'Australie, c'est pas la porte à côté. Donc il y a ce point organisationnel qu'il va falloir prendre en compte. Mais ça, on va en reparler. La première chose, c'est que le 4 mars, Ross Brown a déclaré que s'il y avait une équipe qui ne pouvait pas se rendre en Australie, le Grand Prix n'aurait pas lieu. Bon, toutes les équipes ont réussi à se rendre en Australie, on a vu pas mal de stories, notamment des pilotes ou même des personnes médiatiques, enfin des personnes des médias, ça fait quand même super loin, le virus est en train d'arriver en Europe... Ça sent pas très bon, voilà. Romain Grosjean et d'autres pilotes, d'ailleurs, qui a été interviewé par Julien Febro sur Canal+, l'ont dit. L'ambiance était particulièrement bizarre, peut-être même tendue. Enfin, voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ça, c'est des choses... Bon, nous, on n'y était pas, moi, j'y étais pas, je peux pas vous dire. Julien Febro n'y était pas non plus, c'est pour ça qu'il a posé la question. Mais voilà, en tout cas, le 4 mars, Ross Brown a dit, écoutez, c'est très clair, s'il y a une des équipes qui ne peut pas aller en Australie, à ce moment-là, il n'y aura pas de Grand Prix. Toutes les équipes sont arrivées en Australie, et donc c'est le 12 mars, donc le jeudi, qu'on a confirmé un cas de Covid-19 chez McLaren. Un des techniciens, alors je ne saurais pas qui d'ailleurs, a été confirmé positif, on va dire, au Covid-19. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un paddock, c'est tout petit, ça se mesure sur 450 mètres, 500 mètres peut-être, 600 mètres pour être large. Mais sur cette ligne, on va dire, vous avez 3 à 4000 personnes qui travaillent et qui viennent du monde entier. Et c'est ça le plus gros problème, c'est que c'est comme si on avait une petite planète qui était concentrée sur 450-600 mètres en un endroit. Donc autant te dire que les maladies et ce genre de choses, ça peut facilement s'échanger. Donc effectivement, c'est sûr... Le Covid-19, avec ces 3-4 000 personnes qui partaient depuis l'Europe, voire du monde entier, et arrivaient en Australie, il y avait de grandes chances statistiquement pour qu'il y en ait au moins un, et ça a été le cas, et ça a été le cas chez McLaren. Suite à ça, McLaren a dit, on le met en confinement, les personnes qui étaient proches de cette personne donc, qui est porteur du coronavirus se sont mis aussi en confinement, et l'écurie a dit, écoutez, nous, c'est fini, on s'arrête là, on ne participera pas au Grand Prix. Ce qui ne veut pas dire que le Grand Prix devait être annulé pour autant, entre guillemets, selon les déclarations qui avaient été faites. Normalement, ça pouvait se tenir. Le plus improbable dans tout ça, c'est que finalement, la journée du jeudi, et même avant qu'on sache les résultats de cette personne qui était donc positive au Covid-19, tout le monde a continué l'activité, on va dire, normale. On a commencé juste à prendre des précautions d'un mètre ou deux, d'ailleurs. Les interviews se sont tenues un peu à distance entre le pilote ou la personne de l'équipe et les journalistes.
qui étaient d'ailleurs entassés, eux, pour essayer d'avoir les réponses. On a fait le fameux photocall, donc c'est-à-dire que chaque année à Melbourne, voilà, on a une séance de photos avec tous les pilotes. Tout ça a été continué normalement et même Lewis Hamilton avait déclaré « Je comprends pas bien ce qu'on fait ici d'ailleurs, puisque bah, y a quand même une crise mondiale par rapport à une maladie et pour l'instant on fait business as usual et puis on se préoccupe pas trop de ce qui se passe. » Le jeudi donc le cas a été confirmé et puis là on a commencé à se poser des questions, McLaren donc s'est retiré, on a commencé à se poser des questions, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Dans le même temps, et bien juste avant la NBA avait suspendu sa ligue, pareil pour les ligues de football il me semble, la Formule 1 a déjà reporté masse de e-prix dans le monde parce que ça se tenait principalement en ville, donc eux bah, il fallait peut-être faire ça plus tôt en tout cas que pour la Formule 1 où c'est sur des circuits et qui sont pas forcément en ville, donc la concentration de population, voilà, tu m'as compris hein. La MotoGP c'est pareil, alors ça a débuté au Qatar mais c'était pour la Moto 2 et la Moto 3, le reste a commencé à être reporté et en fait le virus c'est vraiment la prise de conscience du virus s'est vraiment accélérée, c'est à ce moment là où bah, va falloir fallait prendre des décisions et malheureusement la Formule 1 fidèle à elle-même a pris tout son temps entre guillemets pour prendre des décisions. Est-ce qu'on peut les porter responsables? Est-ce que ça a été mal géré? Ça, on va y répondre dans un petit instant. Donc le jeudi soir, eh bien, des discussions commencent entre la FIA, la Formula One Management, celle qui exploite les droits commerciaux de la Formule 1, et le promoteur du Grand Prix, donc ceux qui organisent le Grand Prix d'Australie à Melbourne. Grosse discussion avec les écuries évidemment, les écuries restantes, puisque McLaren était en train déjà de commencer à partir. Ça a été une nuit blanche pour les journalistes, puisqu'on a eu zéro communiqué de presse, on a eu zéro information. Donc si les journalistes n'ont pas d'information, imaginez les personnes aux abords du circuit, ou en tout cas qui allaient venir le lendemain, elles étaient en train de dormir paisiblement sur leurs deux oreilles, en se disant « chouette, demain je vais voir des voitures ». Et bah, il s'avère que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Il faut savoir sur cette nuit du jeudi, eh bien, Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel bah, sont rentrés chez eux en Europe. Ils ont pris l'avion, voilà, tout simplement, ils se sont barrés. Alors après ils ont leur raison, est-ce qu'ils pouvaient, est-ce qu'ils pouvaient pas le faire. Ils ont assez de bouteilles et je pense que leur contrat est suffisamment bien calé pour faire en sorte que s'ils disent non j'ai pas envie de courir, Ferrari va pas dire grand chose et Alfa Romeo non plus. Et de toute façon, ça voulait dire aussi quelque chose, c'est que si Vettel et Raikkonen étaient partis, vraisemblablement, ni Ferrari ni Alfa Romeo allaient participer au Grand Prix. Donc déjà, on partait avec 3 écuries en moins. Il faut savoir que pour la tenue d'un Grand Prix, normalement, il me semble que c'est 12... Non, ça c'est pour la tenue d'un championnat. C'est 12 écuries pour la tenue d'un championnat, 10 voitures, il me semble, pour la tenue d'un Grand Prix. Mais c'est à vérifier. Dans cette même nuit, eh bien, Toto Wolff a reçu un coup de fil, forcément, eh bien, de son patron chez Mercedes, le CEO dont je ne prononcerai pas le nom puisqu'il est assez compliqué. Apparemment, il n'y a pas eu de consigne de la part de la marque Mercedes de dire est-ce qu'on prend pas au Grand Prix ou non. Ils en ont discuté et c'est Toto Wolff qui a dit ok, moi je ne participe pas à ce Grand Prix. Et c'est pour ça que le lendemain matin, Toto Wolff a envoyé une lettre à la FIA, Mercedes, AMG Petronas, a envoyé une lettre à la FIA pour dire voilà, nous ne participerons pas au Grand Prix d'Australie parce qu'on sent que la sécurité de notre personnel n'est pas 100% opérationnelle, on va dire, donc on va pas prendre de risques et on va commencer à partir et rentrer chez nous. Et puis enfin, eh bien oui, ça y est, c'est fait, 2 heures avant la première séance d'essais libres, pendant que toutes les équipes se préparaient, entre guillemets, normalement, eh bien, la FIA, le promoteur du Grand Prix d'Australie et la FOM, la Formula One Management, se sont réunis, ont fait une conférence de presse improvisée eh bien, dans le paddock, un peu surréaliste dans le sens, parce qu'il fallait qu'ils soient à 1 mètre d'écart chacun, mais par contre, encore une fois, tous les journalistes étaient agroupés sans aucune distance de sécurité. Bon, faut dire, hein, là, il y avait quand même peut-être 50-100 personnes en tout, va mettre 1 mètre là-dessus, le mec il se retrouve à l'autre bout du paddock. Enfin bon, bref, vous comprenez qu'il y a des choses parfois qu'on peut pas respecter. Donc ces 3 personnes, ces 3 représentants, on va dire, de ces 3 entités, communiquent et disent « Bon bah voilà, on a décidé conjointement eh bien, de ne pas courir le Grand Prix d'Australie, ou en tout cas la F1 ne participera pas au Grand Prix d'Australie. » Donc effectivement, là il faut savoir qui a pris la décision de quoi, ça s'est renvoyé normalement la patate, et bah, ou le ballon, ou la patate chaude, ce que vous voulez, ça se l'est renvoyé toute la nuit parce qu'il y a des enjeux commerciaux, il y a des enjeux d'assurance, il y a des enjeux dans tous les sens pour les écuries, pour la Formula One Management, mais aussi pour la FIA, parce que la FIA est celle qui détient les droits de la Formule 1,
et la Formula One Management, donc la Liberty Media, c'est ceux qui ont le droit d'exploiter l'image de la Formule 1, et ça c'est très important. Donc en fait finalement, dès qu'il se passe quelque chose, c'est toujours la FIA légalement qui va être responsable de ce qui se passe pour la Formule 1. Maintenant, il faut trouver des bons compromis avec Liberty Media, donc la Formula One Management, pour se dire, on fait ceci, on fait cela, etc. Le promoteur, lui, celui qui organise le Grand Prix, n'avait pas envie que ça s'arrête, entre guillemets. On va parler juste d'un point de vue spécialement commercial, hein. On va faire comme s'il n'y avait pas de coronavirus. Lui, il avait envie que ça continue, parce qu'il y a quand même des sommes, presque pharaoniques, j'allais dire, en jeu, puisqu'on tourne autour de 25-30 millions pour un Grand Prix rien qu'en Europe. Ça dépend des grands prix, évidemment. En Australie, je ne sais pas combien c'est, mais ça doit être dans ces ordres-là. Donc, autant vous dire que lui, il va demander, à un moment donné, un remboursement, parce qu'il n'est pour rien s'il y a le coronavirus, il n'est pour rien si McLaren a amené le coronavirus en Australie. Est-ce que Liberty Media y est pour rien non plus? La FIA, elle n'y est pas pour grand-chose non plus. Donc, qui est responsable de quoi? Et alors là, je vous avoue que je ne sais pas, parce que, encore une fois, ce sont des contrats qui sont écrits, qui sont privés, et... Là, ça devient difficile. Donc légalement, ça a été très compliqué. Finalement, ils ont dit officiellement, conjointement, tout le monde a pris la même décision d'arrêter et de dire on ne fait pas de Grand Prix. La décision est la bonne, évidemment. Elle arrive encore une fois trop tard et ça, on va en discuter. Pourquoi elle arrive trop tard? Premièrement, parce que la Formule 1, ça se déplace sur tous les continents de la Terre, à part l'Afrique malheureusement. Ça se déplace sur tous les continents pendant toute l'année, contrairement... un match de foot, on va dire, où ça se déplace au niveau national, parfois au niveau européen pour la Champions League. La NBA, ça se déplace alors de très rares occasions en Europe et principalement aux États-Unis, donc ça sort pas du territoire américain. Les sports mécaniques, finalement, c'est le seul sport qui voyage à travers vraiment le monde. Peut-être que j'oublie d'autres sports, hein, mais il y a les JO, il y a plein d'autres trucs, évidemment, mais dans les plus gros sports, on va dire, mondiaux, malheureusement là la F1 c'est un gros paquebot qu'il faut pouvoir mener parce que faut beaucoup d'organisation. Je vous invite à regarder évidemment la vidéo qui a été faite avec DHL sur la chaîne YouTube de la Formule 1, puisque logistiquement on prévoit les choses quelques mois à l'avance avec des bateaux qui partent depuis l'Europe pour aller jusqu'en Australie, pour aller en Chine ils doivent passer au sud de l'Afrique, faire le contour de l'Australie avant de remonter vers Shanghai. Donc t'imagines un petit peu, donc ça veut dire que là, quand le Grand Prix de Shanghai a été reporté, le cargo, il venait juste d'arriver. Donc autant te dire que ça te coûte du pognon. Donc logistiquement, c'est très compliqué à manœuvrer. Encore une fois, ça coûte... rien n'est impossible, mais tout coûte de l'argent. Donc, si t'as envie de reporter les Grands Prix, oui, mais ça va coûter beaucoup d'argent. Logistiquement, ça va coûter beaucoup de pognon pour au final que le promoteur dise « Ah, attends, moi j'ai payé, pour l'instant il n'y a pas eu de spectacle, donc ton pognon, tu te le carres là où je le pense. » Donc au final, est-ce que ça a pris vraiment autant de temps que ça à s'annuler? Quand on regarde la logistique, le point de vue légal, tout ce qu'il faut prendre en compte pour pouvoir dire « Ok, stop, on arrête », je suis pas sûr que ça ait pris autant de temps que ça. Alors, il y a deux choses. Premièrement, la prise de conscience du virus a été faite de manière à vitesse grand V, c'est-à-dire du jour au lendemain, on s'est rendu compte que c'était vraiment très très grave, mais presque, ça a mis à peu près une semaine, alors que la F1, pour manœuvrer justement, pour aller jusqu'en Australie, ça prend des mois. Donc, tu vois, c'est un peu comme le Titanic, c'est-à-dire qu'on voit l'iceberg, et là, on le voit un peu trop tard, on commence à essayer de manœuvrer, puis en fait, tu coules. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pour la Formule 1, et malheureusement, ils peuvent pas vraiment faire autrement. On a pris conscience de l'épidémie, de la gravité de l'épidémie, assez rapidement, on va dire, sur un laps de temps assez réduit. Voilà, c'est arrivé pile poil au moment du Grand Prix d'Australie, on va dire, donc c'est un peu complexe. Et alors deuxièmement, légalement ça a été très compliqué aussi, donc quand tu vois les autres sports majeurs où tu as besoin, je parle du foot par exemple, ou du tennis, ou même du basket, tu te déplaces, tu prends tes maillots, tes crampons, tes chaussures, tes chaussettes, quelques kinés avec toi, je généralise hein, évidemment, sauf que pour la F1, tu dois prendre des voitures, des pièces de rechange, des motorhomes pour les pneus, des motorhomes pour les personnes, les chefs cuisiniers, etc. Parce que t'es dans un paddock, alors que quand tu te déplaces dans un stade, généralement, il y a déjà à peu près tout sur place et c'est plus simple. Donc effectivement... c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte et qui fait que je suis pas sûr que ça soit si tard que ça. Oui, il fallait prendre la décision plus tôt, mais c'était très compliqué de la prendre plus tôt, sachant qu'au moment où les personnes arrivaient à Melbourne,
on commençait à prendre conscience de l'épidémie et du coup bah, on était là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bref, dans tous les cas, eh bien, la décision d'annuler le Grand Prix a été évidemment la bonne. Je sais qu'il y en a certains qui disaient bah, pourquoi ne pas rouler à huis clos entre guillemets sur le circuit pour pas mettre en danger les fans. Faut savoir en fait le problème c'est pas de mettre en danger les fans, c'est de mettre en danger les personnes qui travaillent dans le paddock, puisque t'as 4000 personnes grosso modo qui viennent du monde entier et qui auraient pu être exposées au Covid-19. Donc après ces personnes là, bah, si elles courent la course et qu'elles ont été contaminées, ça se propage dans tout le monde. Et alors là, comment te dire qu'on a un énorme problème. Ça aurait été chez les fans, à la limite, le paddock aurait pas été touché, à la limite, on coupe tous les accès, et oui, là, on peut faire quelque chose à huis clos, mais à partir du moment où à l'intérieur même, ça a été touché, ça sert à rien de faire à huis clos. Bon, voilà un petit peu l'histoire résumée de ce qui s'est passé en Australie, un petit peu les pistes de réflexion que ça peut apporter. Au moment où j'enregistre, eh bien, le Grand Prix de Bakou a été reporté à une date ultérieure, donc ça commence à sentir mauvais pour le Canada et le Grand Prix de France, qui doivent se tenir juste après le Grand Prix de Bakou. Eh ben on va voir, et justement, je vous en reparlerai dès mercredi pour une nouvelle vidéo sur le calendrier 2020 et ce qu'il pourrait donner. Donc, eh bien, restez branchés, évidemment. Ce sera mon journal de bord entre guillemets, et puis d'ici là tenez-vous au courant sur Twitter et sur Twitch, normalement lien dans la description. Je devrais probablement streamer un petit peu sur Twitch pour essayer de passer le temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de toute cette affaire, de ce début de saison raté entre guillemets, et surtout les tenants et les aboutissants, et même des pistes de réflexion si vous en avez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour les streams sur Twitch, j'espère, d'ici peu, évidemment. Et puis en attendant, restez confinés chez vous pour que ça passe. Portez-vous bien. Ciao, ciao.